coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est vendredi 7 décembre, il est à peine 8h du matin. Et je reviens vers vous pour vous ouvrir le calendrier de l'avant. Alors ça bouge, ça fait le même bruit que le bijou. Est-ce que ce sera un autre bijou? Oh, pour une fois le scotch enlève tout seul. C'est un autre bijou je pense. Ah ben. Mais. D'accord. Par contre j'ai la chaîne d'à côté, le médaillon de l'autre. Donc je vais remettre ça en place. Et cette fois nous avons le médaillon de Serpentard. Avec les reflets de la lampe et de l'écran de l'ordi, c'est pas génial, mais avec toujours. Voilà. Donc je pense qu'à terme, je vais avoir donc les. Pas forcément bijoux, hein, mais quelque chose de chacune des maisons, puisque j'ai déjà Serre d'Aigle en collier, j'ai Serpentard en collier, j'ai Pouf Souffle en carte. Donc ça sent vraiment le calendrier de l'avant Harry Potter à 100%. Hein. Mais je suis super ravie. Pas à 100%. Non, pas à 100% du coup. Puisqu'il y a le petit renard qui est derrière moi, là, au-dessus de ma tête. Et là-bas, on a la pop. Mais c'est exclusif, enfin majoritairement on va dire Harry Potter. Il est très joli. Pourtant je suis pas fan du vert et j'aime pas Serpentard à cause de Drago. Mais le médaillon est très joli. On a vraiment le serpent à l'intérieur du blason et tout, c'est super bien fait. Donc merci Marilyn. Pour l'instant je les ai mis... il faut que je trouve comment les mettre, j'aimerais les mettre autour de mon coffret Harry Potter en VO. Pour les jours où je les porte pas. Et il faut que je trouve comment les fixer par contre. Sinon je mettrai au pire des clous dans la bibliothèque et je les le long et je les fixerai. Par exemple vous savez sur l'arête là. Comme j'ai fait pour mettre la guirlande, j'ai mis quelques clous. Donc, sinon je vais les mettre... si j'arrive pas à les faire tenir au niveau du coffret, je les mettrai sur le côté. Mais en tout cas je suis ravie. Donc merci Marilyn. Et du coup vu que je suis une grosse flemmarde, que j'en ai marre de chercher les numéros tous les matins, j'ai laissé la malle ouverte et j'ai organisé les cadeaux dans l'ordre. Donc j'ai trois rangées parce que forcément tout ne passe pas. Mais comme ça tout est bien aligné le matin, j'ai juste à prendre le premier de la rangée, j'ai plus besoin de chercher. Oui je suis une grosse flemmarde le matin, voilà. Comme ça vous savez tout. Mais le matin quand je me lève avec la tête dans le cul, j'ai du mal à trouver les numéros, donc comme ça ce sera fait. En tout cas, franchement, encore une fois, ben voilà, Marilyn ne fait pas les choses à moitié. Quand elle décide de nous gâter, elle nous gâte. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il est vraiment beau. Moi qui n'aime pas Serpentard, je le trouve vraiment beau. Ah, puis celui-ci, il passe. Bon, vous allez voir que j'ai mon superbe pyjama Gryffondor. Je suis Pouf Souffle, mais il n'y en avait pas chez Primark, alors j'ai pris... du coup, celui-là, j'ai pu le mettre. Donc voilà. En tout cas... ben, j'espère que ces vidéos calendrier de l'Avent vous plaisent. Marilyn, si tu passes par là, encore merci et je te fais des gros bisous. Et puis ben, moi, je vous retrouve demain pour la suite du calendrier. Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour ouvrir le numéro 8 du calendrier de l'Avent. Et je viens d'avoir un problème avec le caméscope. J'ai appuyé sur enregistrer et ça s'est coupé, du coup ma vidéo ne s'est pas enregistrée. Donc voilà, donc je vous montre quand même ce que Marilyn m'a offert qui est juste trop mignon. Donc on a un garnet Dumbledore avec des dessins du chapeau magique, des lunettes d'Harry, le vif d'or, l'écharpe, le chapeau magique et les emblèmes de chaque maison. Et on a un petit Dumbledore en bas de chaque page. C'est trop chou. En plus c'est des garnets miniers, donc c'est ce que j'adore. Et j'achète souvent des formats A5 et jamais des petits. Ce qui fait que dans le sac à main, bah, j'arrive jamais à embarquer les autres. Donc c'est bien, je vais en mettre un dans mon sac à main. On a Hermione. Et on a Harry. Maintenant, le plus dur, ça va être de choisir celui que j'embarque dans le sac à main. Pour avoir toujours un petit carnet avec moi. Voilà. Donc, la chérie m'a interdit de racheter des carnets parce que j'en ai beaucoup trop à l'heure actuelle. Mais elle n'a pas interdit aux amis de m'en offrir. Donc, ça, c'est bien. Ils sont trop choupis. Hop là, hop là. Je paierai Hermione. Mais ils sont trop mignons. Ils sont trop, trop mignons. Voilà. Donc je suis plus que contente. Je lui demande à ma chérie d'en choisir un pour le sac à main parce que je crois que je vais être incapable de me décider en fait.
Mais franchement, j'adore la bouillie Dumbledore. Voilà. Donc, merci Marilyn. Franchement, c'est top. Et moi qui n'ai pas de goodies Harry Potter, je vais être servie. Je le sens bien avec toi. Donc voilà, je vous laisse et je vais aller montrer ça à la chérie. Et je vous retrouverai demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve pour le calendrier de l'Avent numéro 9. Donc ça ressemble à une tasse quand même, il y a un lance là. On va voir tout ça. C'est juste que je ne sais plus où mettre mes tasses en fait. Regardez-moi ça. Tu as un petit renard. Bon, celle-là, je vais pas m'en servir pour boire parce que clairement, je me connais et je risque de la casser. Et ce serait terriblement dommage quand même. Donc, si vous voulez savoir d'où elle vient, c'est écrit en dessous. Ça vient de chez Maison du Monde. Mais elle est trop mignonne. Voilà. Et je pense que je vais la mettre sur mon meuble. J'ai des tasses en décoration. Donc, je pense qu'elle va aller rejoindre les autres. Mais voilà, il est trop mignon le petit renard. Je sais pas comment ils arrivent à faire des tasses avec des bonnes bouilles comme ça. Donc voilà, donc je vais la laisser en déco parce que oui, me connaissant, je vais finir par la casser, donc c'est juste pas possible. Donc je vais la laisser en déco sur le meuble derrière mon bureau où j'ai déjà des tasses décoratives que je ne me sers pas, mais que je voulais des tasses. Donc voilà, elle va aller rejoindre les autres et elle est trop mignonne. Donc merci Marilyn. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, il est minuit 12, on est le 10 décembre, et donc je reviens vers vous pour le calendrier de l'Avent. Donc je parle pas trop fort parce que la chérie est en train d'essayer de s'endormir. Ça ressemble à une carte postale. Je hais ce scotch, Marilyn. Je pense sans trop me tromper que c'est la même collection que celle de Poufsouf. Alors il faut savoir que j'adore le violet. Et elle est juste magnifique. Donc voilà. Elle est vraiment belle. En plus elle est dans mes coloris préférés. Donc elle va aller rejoindre sa copine en attendant que je puisse aller les faire plastifier. Donc voilà. Donc Marilyn, si tu passes par là, encore merci parce que elles sont vraiment belles. Et si tu as un lien pour l'illustrateur, l'illustratrice, je ne sais pas, n'hésite pas à me le donner, que je le mette en barre d'infos si jamais des gens sont intéressés. Donc voilà, bon, je vous laisse là et je vous reprendrai donc demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, il est minuit 10, on est le 11 décembre. Et donc je reviens vers vous pour le calendrier de l'Avent numéro 11. Donc vu le paquet, moi je dis ça sent les... Après je peux me tromper, hein. Mais ça sent, vous savez, les stylos en forme de baguette Harry Potter. Enfin, je sais pas comment je vais l'ouvrir. C'est visiblement... Marilyn a mis la dose de scotch pour le faire tenir et j'arrive à l'enlever. Mais oui... On sent des boules, encore une fois. Je suis désolée pour le changement de plan, mais c'est surtout que j'ai le caméscope en charge et que je ne peux pas le mettre sur le trépied. Le câble n'est pas assez long. Donc voilà. Mon Marilyn, je maudis tes emballages. Sache-le. T'as bien dû galérer en plus. Je fais tomber sur ma table. Bien dû galérer, on va laisser ça. Vous avez raison. Donc c'est bien un stylo. Alors je ne sais pas, je suis nulle pour savoir à qui sont telle et telle baguette, clairement. Attendez, je vais allumer la grande lampe comme ça vous verrez mieux. Alors, je sais, ça me dit rien dans Harry Potter, donc maintenant je peux me tromper, mais
peut-être plus sur les animaux fantastiques. Je vais aller vérifier d'ailleurs parce que ça m'intrigue, hein, clairement. Mais franchement, c'est super joli. J'aime beaucoup. Je sais pas quelle couleur ça écrit. Alors, il écrit noir, donc c'est parfait. J'aime autant le bleu que le noir. Et donc, voilà. Mais j'aime beaucoup. Si je trouve à qui appartient la baguette, je vous le mettrai là. Comme ça, vous le saurez. Mais c'est vrai que je retiens jamais. Je sais quelle baguette j'aime bien par rapport au motif qu'elle a. Mais de vous dire maintenant quelle baguette appartient à qui, je m'emmène toujours les pinceaux. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup. Et Marilyn, t'es complètement dingue. Parce que ça, je les ai vus en magasin. Et je sais que ça coûte super cher pour ce que c'est. Donc voilà, t'es complètement cinglée. Et je te remercie parce qu'elle est vraiment belle. J'aime beaucoup tous les détails en bois là. Enfin, c'est pas du bois, mais les détails du bas qui ressemble à du bois. Donc c'est super joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc merci Marilyn. Bon, ben voilà, on continue dans les cadeaux avec tout ce qui est univers, Harry Potter, animaux fantastiques, etc. Et franchement, j'adore. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. J'adore. Je suis pourri gâtée avec ce calendrier de l'Avent. J'en ai encore, j'ai encore 13 paquets à ouvrir. Je suis presque persuadée qu'il y a un sac à main dans le tas, qui a une autre pop, parce que la boîte est très ressemblante à une boîte de figurines pop. Et je sais pas ce qu'elle reste, mais Marilyn t'a fait complètement des folies. J'ose même pas imaginer ce qu'il y a dans les trucs tout mous, en fait. C'est des paquets tout mous. Il y en a un déjà, je parierais sur un quelque chose en textile. Alors, je ne sais pas quoi. Celui du 24, je préfère même pas savoir ce qu'il y a dedans. Je sais que c'est tout mou également, donc je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, je sens que je vais encore être pourri gâtée. Donc, voilà. Donc, franchement, merci Marilyn. J'aime beaucoup et je vais aller tout de suite chercher à qui elle appartient, cette baguette. Voilà. Donc, moi, je vous laisse là et je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Bye bye. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve pour le 12e jour du calendrier de l'Avent et je pense pas me tromper en disant que ça sent la seconde Funko Pop. On va renverser ensuite. J'aime bien les ouvrir à l'envers quand même. Donc je regarde dans le sens de l'écriture. Donc c'est Marilyn qui me fait des pièges. Une pop Harry Potter. On voit la tête d'Harry. Lol. Alors, je ne sais pas de quelle collection c'est, vu que je n'y connais absolument rien. Est-ce que c'est écrit quelque part? Je vous la montre, mais je ne sais pas de quelle collection ça fait partie. Donc, je pourrais pas vous dire. Mais alors, j'en ai vu passer des pop Harry Potter sur les chaînes des copains, des copines. Mais alors, celle-là, je ne l'ai jamais vue. Je ne sais pas du tout de quelle collection elle fait partie. Mais voilà. Et on a le. Oh, j'ai problème avec les noms. Allez. Les plantes là qu'on tire des pots qui hurlent. Étant donné que j'ai vu plusieurs fois les films mais que j'ai lu les livres qu'une seule fois, voilà quoi. Du coup je sais jamais leur nom. Mais enfin vous voyez de quoi je parle quoi, la petite bestiole là. D'ailleurs il a même le casque sur les oreilles. Ça me fait penser qu'il faut que je me trouve un casque comme ça avec la moumoute pour protéger mes oreilles l'hiver parce que... Je ne fasse pas tomber. Donc voilà, donc il est en tenue, bon, c'est en tenue d'écolier, hein. On va dire ça comme ça. Donc je ne sais pas du tout quelle collection c'est. C'est la première fois que je les vois. Donc dans cette collection, on a Harry, Ron, Hermione, Ginny, Lockhart,
Tom Riddle, mais en français, c'est pas, je sais pas. Et Nick quasi sans tête. Donc je vous mets derrière si vous voulez voir. Donc c'est. Là, c'est écrit Magical Creature. Le numéro 55. Donc c'est figurine en vinyle, mais je vous montre la boîte comme ça. Si jamais vous voulez vous la chercher, ça vous aidera peut-être à la trouver, je ne sais pas. En tout cas, merci Marilyn. Donc je ne sais pas où je vais la poser. Probablement avec mon étagère, bah, Harry Potter, hein, tant qu'à faire. Je vais la mettre dans l'étagère, comme ça elle sera à sa place avec les livres. Ah oui, je suis une vraie catastrophe. J'adore la tête de la bestiole. Enfin, de la plante. Oui, il faut pas regarder mes ongles. J'ai enlevé le vernis, j'ai encore des traces. Donc, il faut que je remette du vernis. Mais vu que je vais faire mon ménage demain, je ne vais pas mettre le vernis maintenant pour le plonger les mains dans le détergent derrière. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Marilyn. En plus, bah, ça me fait découvrir une collection de figurines pop Harry Potter que je ne connaissais absolument pas. Donc je ne sais pas si c'est une nouvelle collection, une collection exclusive, je ne sais pas du tout, du tout, du tout. Vu que je suis nulle en pop, voilà quoi. Mais des connaisseurs connaîtront peut-être. Donc merci beaucoup pour ce 12e cadeau. Et puis ben, moi je vous retrouve demain pour le 13e. Mais Marilyn le sait, le 13e, je l'ai déjà vu en fait. Parce qu'en fait, l'emballage était ouvert dans la malle et... Le contenu est à l'extérieur, enfin les trois quarts du contenu est à l'extérieur du paquet, donc je l'ai remis dedans, mais du coup je sais déjà ce que c'est et j'ai hâte de vous le montrer. Donc voilà, donc encore merci pour la pop qu'on voit là-bas, si j'arrive à viser, donc de personnage de Featherstone dans Orgueil, Préjugés et Zombies. Et Zombies, oula! Et la pop Harry Potter, voilà! Bon, je vous laisse là et je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Bye bye.